Oh, la tourelle carrément. Elle est pas vers nous aussi. Ah, c'est quoi ce truc jaune là? Garus, mets-toi à l'abri, abruti. C'est quoi ça? Ah, c'est un pyromane guette, je sais pas. Il n'y a personne sur la tour, il va tirer de toute façon. Ouais, j'ai tiré dans la roquette. Allez, il y en a invisible. Il y a une console sur le canon, allons voir ça. Allez. Qui va devoir bousiller le canon. Oh putain. Ashley. Ash, c'est à vous. Parce que Garus, tout à l'heure, en fin de compte, j'avais besoin de lui. Ils arrivent par où là? Vous devriez aller dans cette tourelle chez moi. Ouais. J'ai dit ouais. Encore des guettes. Ils arrivent où? Ouh, c'est bon ça. Oh le gros! Ah! Il a pas fait un pli! Canon désactivé, gros. Déjà? Allez, il en reste un! C'est bon ça? Dégage, la porte. Oh! Manquez-vous! Faites-moi exploser ça! Merde! Voilà, je me tire dessus mes sorts maintenant! C'est bon là! J'aime pas trop ça! Ouais, attendez, je me cache. Ah! Et va mourir, va mourir, va mourir! Aussi! Tiens, va mourir. Ah, mais c'est elle qui fait tout! Ils arrivent où? Ils arrivent pas? Et Ashley, faut. Il avait écrit protéger coéquipier. Oh, elle a pas d'œil quoi. C'est bon, il y a besoin de personne de toute façon. Ashley, mettez-moi ce canon HS. Allez, Ashley, prends-toi utile. Allez, le canon, le canon, le canon. Ils arrivent par où? Là-bas. J'y suis prêt. T'as intérêt, hein. Canon désactivé, commandant. C'est tout. Je vais signer la navette. Oh, c'était facile. Ah non, ils vont tout détruire. Où êtes-vous? Ce qui reste de l'équipage est dans une clairière. Voici leurs coordonnées. Rejoignez-les, on se retrouve là-bas. Non, je suis bloqué par les guettes. J'entends une autre vague approcher. On arrive. Donnez-nous vos coordonnées. Laissez-moi. Mon équipage sera bientôt anéanti. Voici. Ce ne sont pas des soldats, Shepard. Ils vont se faire massacrer. Sauvez-les. Ah putain, je suis obligé d'aller les sauver. On va les protéger et mettre la flotte civile hors de danger, amiral. Merci. Une dernière requête, commandant. Faites ce que je n'ai pu faire. Sauvez mon peuple de sa propre folie.
Il fait quoi? Il est très très con lui. Il aurait pu se les faire au pistolet quoi. Oh. Ça c'est bon. Les civils ont besoin d'aide, commandant. Ah c'est bon, prenez ça dans la tronche. Surcharge, merde. C'est bon. Allez. Et tout? Derrière vous. Derrière. À couvert. Non, non, pas les seuls. Putain, mais arrêtez de tirer sur le vaisseau! Bande de cons! Non, tu tires pas sur le vaisseau! Est-ce qu'il est? Il est derrière le rocher, évidemment! Ah! C'est bon! Ouais, là. Les guettes appliquent par ici! Tout le monde à bord! Vite! Yeah. Merci, merci beaucoup. Et l'amiral, où est-il? Il essayait de nous retrouver. Vous l'avez vu? Je l'ai entendu. Non. On doit y aller. Shepard, j'ai appris ce qui s'est passé sur notre planète d'origine, pour Zalkoris. Sa dernière volonté était que vous preniez soin des flottes civiles. C'est tout lui. La flotte lourde accapare mon attention, mais... mes assistants le font. C'est la moindre des choses. Voyez-vous, l'amiral et moi n'avons jamais été d'accord lors d'un vote. Je l'ai traité de lâche plus d'une fois. Je n'aurais jamais survécu aussi longtemps que Zal sur Ranok. Nous nous souviendrons de son héroïsme. Je dois rejoindre ma flotte. Merci, commandant. Ouais, c'est ça, va boire un coup. Commandant, l'amiral Hackett est disponible par vidéo. Attends, je vais lui parler maintenant avant qu'il me saoule. Commandant, vous voulez discuter c'est quelque tout chose? Bon bah, au revoir. C'est tout, amiral. Tenez-moi au courant. Terminé. Voilà. C'était très instructif. Xen, il faut ces vaisseaux pour sauver les modules. Xen, vous pourrez envoyer une équipe plus tard. Si, il y aura du plus tard, t'arrêtes de râler. Bon. Qu'est-ce qu'on a gagné en fait? Merci, Shepard. Je veux voir la journaliste, moi. On doit encore évacuer une autre colonie. On en perd beaucoup. Par contre, les moissonneurs ne perdent pas grand-chose. Les moissonneurs n'ont pas de. Mais les moissonneurs, c'est commandant, des ouf. Vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Ah, lâche-moi la vache. Je sais même plus où sont les gens. Il y a trop d'étages sur ce bâtiment. Là, ouais, là il y a quelqu'un. Hein, je sais plus, moi. Non, là, il y a personne. Elle est en face. Je vais réussir à m'y faire, mais... pas facile. Vous avez fait le bon choix. Moi, je peux pas lui parler. Ça m'a fait réfléchir aux avantages d'avoir un grand chef. Et au nombre de vies qu'il faut parfois sacrifier pour. Ah bah ça. Ne m'en parle pas. Salle des machines. Donc là, moi, je vais parler au journaliste. Est-ce qu'elle peut me parler cette fois-ci? Elle est là-bas, je crois. Flash info. Le secteur Exodus subit de lourds. Appelez-moi. Oh, mais il veut pas me parler. Ah, il y a la photo du gars dans le 2. Ah, c'est bon ça. Bon bah... dernier tour d'horizon vers Joker. Et on va repartir en mission. Il pourrait courir plus vite quand même. C'est honteux. Wow. Ces amis rocariens. Bravo pour la mission de sauvetage, commandant. Les pauvres civils carriens. Oui, Shepard. Non, mais je... Continue, Idéa. D'accord. Si vous voulez me parler, je reste sur le pont. Je veux habituer... On a compris. Okay.
Je crois que t'avais quelque chose d'autre à dire, quelque chose d'intéressant. Tous ces gens qui font semblant de travailler, quoi, c'est abusé. Commandant, contente de vous revoir. Vous vous intégrez bien, Trenor ? Je commence à me sentir utile. C'était un gros travail d'intégrer ces données pour le sommet de guerre. Comment vont les systèmes ? Bon, je suis contente d'avoir fait les tests. L'officier Trenor s'est montré très utile. Nous lui devons la précision des données de notre centre de commandement. Merci, Idea. C'est pas évident de s'adapter. Au labo, on récupérait au maximum. C'était un vrai bazar. Ici, on a l'impression d'être dans un placard. On se sent à l'étroit dans un vaisseau en mission. Mais vous vous y ferez. Oh, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas de problème de confort. C'est comme un rêve. Au labo, c'était le système D, parce qu'on n'avait pas de budget. Mais là... Idea, Ariak et Tech utilisent un algorithme propriétaire intelligent qui pourrait traiter nos données longue portée. On peut se le procurer ? Oui. Analyse et mise à jour du programme. L'algorithme va améliorer l'analyse des données de combat stratégique à longue portée de 3%. Impressionnant. Si j'ai accès au meilleur matériel, je n'aurai aucun problème à vivre dans un placard. Le gros de la flotte civile est génial, elle. Il y a pas mal de communication entre les vaisseaux. Bon, alors attends, j'essaie de comprendre un petit peu. Il y a une espèce éteinte. Disque de données protéins. Travée de l'attique, les arachnies. Oh, il y a tellement de quêtes. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, il y a quoi ici? Bon, bah, la prochaine étape, on ira voir les moissonneurs. Hein. On va aller voir les moissonneurs, puisque c'est comme ça. Bon, allez, on est parti. Mais j'y suis. Ah. Détruire la base des moissonneurs. Ouais, on va se taper des moissonneurs. Moi, je prends mes deux chouchous, de toute façon, comme d'hab. C'est-à-dire Icarus. Annulé. C'est vrai, je suis obligé de prendre Tali. Fais chier. Bon. Tali Zora. Euh, 68% de vitesse de rechargement des pouvoirs. Étant donné que j'ai pour l'instant j'ai pas encore eu l'occasion, j'irai augmenter mes autres armes. Je pense que j'ai un petit peu trop d'argent. J'irai augmenter mes autres armes à la fin de cette mission. Tali a que des pistoles. Chacun son truc, elle, ok. Tali a ses armes augmentées ou pas? Ouais. Ok. Bon, moi j'ai mes 4 points, je vais attendre d'avoir mes 6 pour la déchirure finale. HK en a 5, on va lui foutre tir persécutif. Force et dégâts accrus, et l'autre c'est frappe les ennemis en moins de... On s'en fout de ça. Hop là. Ok, retour. Italie. 5 points. Améliore la vitesse de rechargement des pouvoirs. Plein d'énergie. On va lui mettre ça. Augmente le bonus de vitesse de rechargement 40%. Le bonus de santé. Vitesse de rechargement de pouvoir, ça peut être pas mal. Et pour moi, l'analyse est bon, donc confirmé.